Très bien, aujourd'hui je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 19. Est-ce que vous avez lu ce chapitre cette semaine? Je vous ai prévenu qu'on allait le voir cette semaine, mais Actes chapitre 19, et nous allons lire les 20 premiers versets de ce chapitre. Donc nous n'allons pas regarder le chapitre entier parce qu'il est quand même un peu long, mais les 20 premiers versets de ce chapitre. Donc la Bible nous dit ceci, dans Actes chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 ans. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira de séparer les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires à part les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et ensemble, Seigneur, sois avec nous ce matin. Montre-nous ce que tu veux nous révéler ici. Seigneur, comme on a chanté, on veut entendre mais comprendre aussi. Seigneur, aide-nous à comprendre les vérités que nous découvrons ensemble ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous ai raconté la semaine dernière quand de nature je suis timide. Tony, tu crois ça? Non. Mais oui, de nature, je suis assez réservé et timide. J'aime pas être devant. Naturellement, je suis pas à l'aise. Mais le Seigneur fait en sorte qu'on arrive à surmonter ses peurs, ses craintes et nous donne la victoire. Mais à cause de cette nature réservée, timide, où je vois quelqu'un arriver, je dis « Qui c'est ?» Je vois les nouveaux qui arrivent à l'église, je dis « Oh non !»
Oh, je suis content qu'ils sont là, hein. Je suis content qu'il y a des nouveaux qui arrivent, mais en même temps, je... oh non, il va falloir leur parler. Mince alors, qu'est-ce que je vais dire à ces personnes? Comment... aussi en plus, ils vont entendre mon accent et après ils vont... Oh. Vous savez, parfois c'est difficile la vie, n'est-ce pas? Surtout pour nous les pauvres, réservés, timides. Mais le Seigneur nous donne la victoire et dans ces domaines. Et peut-être vous, vous êtes un peu plus comme Paul. Il est toujours joyeux, rempli de joie. Il reconnaît tout le monde comme son ami. Il n'y a aucun étranger devant lui. Hein. C'est de la famille. Et certains, et parfois il faut être un peu plus réservé, peut-être. On a tous des points forts et des points faibles. Chez moi, je suis pas à l'aise. Et vous savez, dans les églises, nous rencontrons plein de monde parfois, et dans notre vie de chaque jour, nous rencontrons plein de monde où parfois on se dit, mais qui est cette personne? Comme moi, je pose la question, David et Heidi sont débarqués la semaine dernière, j'ai dit, oula, qui c'est ça? Et maintenant, on est à l'aise, c'est des amis, Dieu est bon, mais qu'est-ce qui... Là, dans ce passage, le Seigneur est beau et magnifique et il fait en sorte qu'il nous dresse devant nous comment nous allons vivre et qui nous allons rencontrer dans cette vie ici-bas en tant qu'enfant de Dieu et les réactions différentes que nous pouvons être, auxquelles nous pouvons être confrontés quand nous témoignons de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui sont les gens que vous et moi, nous allons rencontrer tout au long de cette vie que, en servant le Seigneur? En fait, dans les sept premiers versets, nous voyons que nous allons, au fur et à mesure, dans cette vie ici-bas, nous allons rencontrer des nouveaux croyants, des jeunes dans la foi. Ici, dans les versets 1 à 7, nous voyons que, en fait, l'apôtre Paul enfin arrive à Éphèse. Vous rappelez la première fois que quand il est passé par Éphèse, qu'est-ce qu'ils ont voulu par rapport à voulu voir à la synagogue? Ils ont demandé à Paul, est-ce que vous pouvez rester et continuer à nous expliquer cette nouvelle vérité, l'évangile? Et Paul a dit quoi? Non, non, je dois continuer mon chemin et je dois monter à Jérusalem pour la prochaine fête. Et donc, il est reparti d'Éphèse assez rapidement, mais il a dit, si Dieu veut, je repasserai par ici. Et alors, il est enfin arrivé, et nous voyons que la Bible nous dit ceci, qu'il a parcouru les hautes provinces d'Asie. Donc, il a fait une tournée dans toutes les villes de l'Asie mineure, ce que nous appelons Asie mineure aujourd'hui, pour arriver à Éphèse. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive à Éphèse? Il rencontre 12 hommes, un peu comme même genre d'Apollos. Apollos, qui était un disciple de Jean-Baptiste, il n'avait pas entendu que Christ était mort, enseveli, ressuscité. Il n'avait pas entendu parler du fait que le Saint-Esprit était descendu déjà. Et ces 12 hommes, peut-être des anciens disciples d'Apollos, ceux qui suivaient son enseignement, la Bible ne le dit pas, mais c'est peut-être cela, parce que Apollos est passé par Éphèse aussi. Et donc, ils sont là, et Paul commence à leur parler. Et il leur pose des questions, et il y a juste quelque chose. Il leur manque quelque chose. C'est pas ça. Et il pose la question, regardez, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quelle est leur réponse? Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais c'est qui ça, le Saint-Esprit? Vous imaginez aujourd'hui entendre dire, quelqu'un dire « Je ne connais pas ou j'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit. » Ah mais ces disciples de Jean-Baptiste, là, n'avaient jamais entendu parler de lui. Et alors, nous voyons que ce n'étaient pas des bons disciples, parce que même Jean-Baptiste avait expliqué que l'Esprit-Saint allait venir plus tard. Et donc, il n'était pas descendu pour habiter en permanence chez tous les croyants pendant la vie de Jean-Baptiste. Mais ils n'avaient même pas
compris tout l'enseignement que Jean-Baptiste avait donné par rapport au Saint-Esprit. Et alors, ils sont là, mais non, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul pose la question. Vous dites que vous avez été baptisé. Dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont dit à Paul, oui, on est baptisé, oui, on est des croyants, on croit dans le Messie. Mais vous n'avez pas entendu parler de tout cela? Vous ne connaissez pas? Et d'un coup, l'apôtre Paul voit qu'il leur manque quelque chose. Là, le baptême qu'ils avaient reçu, c'est pour la repentance, en attendant pour l'arrivée du Messie. Mais ils n'avaient pas compris que le Messie est venu, il était ressuscité, il est mort pour nos péchés, il est reparti par la résurrection au ciel, et l'Esprit Saint est descendu le jour de Pentecôte. Ils avaient tout. Ils avaient loupé toutes ces vérités magnifiques. Et là, Paul prend l'occasion d'exprimer l'Évangile. La mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Ce n'est pas détaillé ici, mais il exprime tout cela. Et ses disciples, où le terrain de leur cœur a été préparé par le message que Jean-Baptiste a prêché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Instantanément. On va se faire baptiser, on accepte, on voit l'accomplissement de cela. Et on voit des nouveaux-nés, des nouveaux chrétiens qui débarquent. Et quelle joie de pouvoir partager la foi en Jésus-Christ à ceux qui sont perdus. Parce que même s'ils avaient la foi, ils étaient perdus. La Bible nous dit clairement dans l'Épître aux Éphésiens, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas du Seigneur, nous ne sommes pas, nous recevons le Saint-Esprit au moment du salut aujourd'hui. On n'attend pas pour une deuxième œuvre qui s'accomplit par la suite. Ce n'est pas qu'on a la foi et après, à un moment donné, je ne sais pas quand, mais l'Esprit Saint vient. Non, on accepte Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient habiter en nous dans ce même moment et nous pouvons vivre pour le Seigneur. Alors, est-ce que je veux dire par cela qu'il n'y a pas des moments exceptionnels, extraordinaires, où nous avons une onction supplémentaire du Saint-Esprit? Non, bien sûr. La Bible nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et ils nous remplissent pour accomplir des œuvres magnifiques pour sa gloire. Et alors, là, ils viennent au Seigneur. Mes amis, l'Église, il y aura des gens qui débarquent ici dans cette église, qui ont une certaine connaissance de la parole de Dieu, mais il leur manquerait quelques éléments. Et juste parce que les gens arrivent ici dans ce lieu pour louer le Seigneur, ne veut pas dire qu'ils sont tous au Seigneur. Et alors, à nous de voir, est-ce que vous avez compris le message qui sort? Alors, je vous pose la question. En quoi avez-vous mis votre foi? Vous savez ce que moi j'entends très souvent quand je pose la question en dehors de ce lieu? J'ai fait ma communion quand j'étais petit. Et si on n'est pas catholique, entre guillemets, évangélique, j'étais baptisé tel jour par tel pasteur. Est-ce que c'est ça le salut? Non. Le salut, c'est la foi sainte. Qu'est-ce que la Bible dit dans Éphésiens? Est-ce que vous connaissez Éphésiens chapitre 2? Verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Autre chose. Le baptême ne sauve pas, une expérience supplémentaire ne sauve pas. La seule chose qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Et après, il faut le baptême. Après, il faut ces autres choses. Mais ce n'est pas ça ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père, pasteur, toujours pasteur, mais à la retraite, donc il remplace les pasteurs qui partent en vacances ou qui sont malades ou quelque chose. Donc chaque dimanche, il est quasiment dans une autre église, une église différente.
Mélissa est née dans une famille où son père est pasteur. Mon frère est diacre dans son église. Ma sœur est mariée avec un pasteur. L'autre sœur est mariée avec un diacre dans son église. Le frère de Mélissa est pasteur. Son père est pasteur. Les oncles sont pasteurs. On est, c'est le métier de la famille, plus ou moins. Génétique. Et c'est, oui, c'est gravé dans l'esprit, la génétique. Est-ce que ça fait en sorte que tout va bien pour moi? Il fallait qu'à un moment donné dans ma vie, même si j'avais tout, entre guillemets, en fait, même ce poids sur les épaules de cet héritage, il fallait que moi je décide pour moi-même. Et c'est la vérité pour mes enfants aussi. Vous imaginez, c'est pas juste les grands-parents de mes enfants, c'est les arrière-grands-parents qui étaient diacres et pasteurs. Donc, ça ne change en rien. Il faut qu'eux aussi prennent une décision pour le Seigneur. Alors, les amis, l'Église, nous allons rencontrer des nouveaux convertis. Et à nous de faire en sorte que nous sommes là, prêts, fidèles à partager l'évangile pour que nous puissions voir ces nouveaux convertis. Si nous sommes là, Dieu peut se servir de nous. Et c'est quand la dernière fois que nous avons partagé ce message d'amour de Jésus-Christ à ceux qui sont perdus. Alors nous voyons ici ces nouveaux convertis et c'est ceux que nous allons rencontrer de temps à autre. Et prions et espérons qu'on va rencontrer de plus en plus ici à Saint-Gaudens. Mais aussi, il y a ceux qui sont très religieux et malheureusement, ceux qui rejettent la parole. Et le Seigneur nous donne cette image de ceux qui sont très religieux pour que nous ne soyons pas découragés quand ils rejettent le message. Regardez, s'il y a un orateur... comme il faut, hein, bien plus meilleur que moi, hein, c'est l'apôtre Paul. Il avait une connaissance extraordinaire. On dit que ses lettres étaient puissantes, mais en personne, il n'était pas si éloquent que cela. Mais quand même, c'est l'apôtre Paul. Et s'ils ont rejeté le témoignage de l'apôtre Paul, alors à nous de s'habituer et être prêts à vivre ce rejet aussi. Regardez versets 8 et 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Nous voyons alors que Paul, comme son habitude, il est allé chez les Juifs dans la synagogue. Et vous vous rappelez, qu'est-ce que nous voyons la plupart du temps? Paul arrive, il enseigne un samedi dans la synagogue, le samedi suivant, il est là pour enseigner encore, et il le laisse parler et à la fin du culte, il est chassé de la synagogue. Ça ne dure pas très longtemps en règle générale, mais là, il a eu 3 mois. La possibilité pendant 3 mois de partager. Et regardez ce qu'il dit. Il discourait, il essayait de les persuader. Mes amis, ça peut prendre longtemps pour percer la carapace avec l'évangile. Là, 3 mois, et certains ont refusé, mais beaucoup ont accepté. Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté pendant 40 ans, ma mère a prié pour le salut de mon grand-père. Moi, j'ai prié pendant plus de 20 ans pour que mon grand-père vienne au Seigneur. Pendant plus de 20 ans. Après une année, on commence à se lasser. Après 10 ans, on dit, bon, c'est bon, il ne va jamais accepter. Il ne faut jamais baisser les bras. Paul a eu l'occasion pendant 3 mois. Ma mère a eu l'occasion pendant 40 ans. Et enfin, il est venu au Seigneur. Alors le temps que le Seigneur nous donne, allons vers ces personnes, parce qu'on ne sait jamais quand ils vont venir au Seigneur. Et là, les gens, malheureusement, dans la synagogue, les Juifs, avaient le cœur endurci. Ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. En fait, quand nous voyons, ils discoururent sur les choses qui concernent
qui concerne le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Qu'est-ce qu'on voit incrédule? Vous savez ce que ça, dans la langue originale, la signification de ce mot, c'est désobéir à quelque chose. En fait, nous sommes tous commandés de croire et accepter, la Bible dit. Mais là, ils avaient l'idée, quand on lit l'original, c'est l'idée, c'est, ils ont compris le message, mais ils ont refusé. Ils ont désobéi à cette conviction que le Saint-Esprit opérait dans leur cœur. Ils n'ont pas voulu accepter. Alors ça, c'est grave pour eux, parce que nous voyons et nous comprenons les conséquences de cela par la suite. Pour eux, si on meurt sans avoir accepté Jésus-Christ, il n'y a pas de purgatoire pour faire on essaie de se débrouiller pour s'en sortir. Non, une fois parti de cette vie ici-bas sur cette terre, c'est fait. Mais il faut œuvrer pendant qu'il est jour, et semer, et partager. Alors, nous voyons ceux qui sont religieux. Il ne faut pas se décourager en voyant ceux qui sont religieux. Paul a fait face à cela, et tous nos prédécesseurs ont fait face à cela. Alors, à nous de persévérer malgré cela. Mais nous voyons aussi, nous allons sauter jusqu'au verset 13, pour revenir à ces versets que nous n'avons pas regardés. Regardez les versets 13 à 16. Nous allons être confrontés par les faux croyants aussi. Regardez verset 13. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche !» Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs, donc probablement des membres de la famille du principe, le sacrificateur, le souverain sacrificateur. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. » Alors là, nous voyons ces faux chrétiens qui ont pris l'habit de l'agneau, qui parle, qui a le bon vocabulaire et qui a le bon, une bonne conversation, et dit « Je ne vous connais pas. » Regardez, nos églises sont remplies de faux. C'est pourquoi, très souvent, nos églises manquent de puissance et pour avancer, parce qu'en fait, on a cette belle façade. Mais derrière, c'est toujours mort. C'est toujours mort. Et là, c'est incroyable. Et ils comprenaient la puissance qui était en Jésus-Christ, la puissance qui était là pour chasser les démons, mais ils n'avaient pas accepté cela pour eux-mêmes. Vous imaginez? C'est la même chose que nous allons voir quand Dieu sépare les brebis des boucs. Et qu'est-ce que nous voyons? Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Je ne vous ai jamais connu. Alors, il est important à nous d'être sûrs de ce que nous faisons et de ce que nous croyons. La foi seule. Les pauvres ont été maltraités par ce démoniaque. Ah, vous imaginez être enfermé dans une maison avec un démoniaque et cet homme maltraité au point où on s'en fiche, on laisse nos habits et on part en courant. Ça fait peur. Et si ça s'est passé ici sur Saint-Gaudens, croyez-moi, le bruit va courir rapidement dans tous les villages aussi à côté. Hein. Tout se saura rapidement. Mes amis, quand on fait semblant, un jour, ça se saura. Ça sera révélé. Peut-être pas ici-bas, mais quand on est devant notre Seigneur et Sauveur, ce que nous allons entendre, ah, mon serviteur, rentre à la maison. Ou est-ce que nous allons entendre, je ne vous ai jamais connu. Soyons sûrs que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Donc nous voyons les faux,
croyants. Nous voyons les religieux. Nous voyons les nouveaux convertis, ces jeunes dans la foi. Mais revenez au verset 9. Et là, nous allons regarder quelque chose qui est assez compliqué et que nous voyons même certaines personnes pratiquer aujourd'hui qui n'est pas une bonne chose. Regardez à partir du verset 9. « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école du nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient à l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Alors, qu'est-ce que nous voyons dans cette partie? Nous voyons en fait les vrais disciples. Qui sont ceux qui sont les vrais disciples? Ceux qui se séparent de ceux qui sont incrédules, qui vont avec l'apôtre Paul et sont enseignés la parole pendant combien d'années? 2 ans. Nous voyons ailleurs, en parlant de ce séjour que Paul a fait, qu'on parle de 3 ans aussi. Est-ce que c'est 2 ans ou 3 ans? Est-ce qu'il y a une erreur dans le texte? Non, non. En fait, la pratique à l'époque, si on a achevé ou démarré une partie de l'année, on visait l'année, donc cette année entière aussi. Donc, il était là entre 2 et 3 ans à Éphèse pour servir. Et là, c'est, vous imaginez, ces 12 disciples de Jean-Baptiste qui venaient de découvrir la foi, et tous ces autres juifs qui avaient accepté le Seigneur, ils viennent et ils s'assoient avec Paul chaque jour pour apprendre des Écritures, pour grandir dans la foi. Il y a même un manuscrit qui a ajouté un commentaire dans le texte qu'ils se réunissaient entre 11h et 16h chaque jour. De 11h du matin jusqu'à 16h dans l'après-midi. Pourquoi 11h à 16h? En fait, la tradition à Éphèse, parce qu'il faisait chaud aujourd'hui, hein, il fait très chaud, il y avait une pause, un peu comme les Espagnols y font, une sieste. On travaille jusqu'à midi, 13h, et après on vous verra. À partir de 22h. À un moment donné, quand il fait un peu plus frais, on va sortir. C'est pas mal ça, hein? Et c'est pas mal. Et donc, ils avaient cette habitude à Éphèse de faire comme cela. Et donc, au lieu de rentrer à la maison et faire la sieste et manger et rester calme, vous savez ce que ces disciples ont fait? Ah, j'ai bossé toute la matinée, je vais bosser ce soir, mais entre-temps, j'ai du temps libre. Je vais prendre la parole. Je ne vais pas perdre mon temps. Je vais racheter le temps en étudiant avec Paul, en creusant dans les Écritures. Et pendant plusieurs années, ils ont fait cela. Mes amis, vous savez, nous faisons la plupart du temps, le matin, vite, je me suis réveillé tard, j'ai pas entendu le réveil, 5 minutes, trouver un verset, ok, c'est bon, Seigneur, bon, aide-moi à comprendre ce verset, et on part. Et on dit, ça c'est suffit. Ça ne suffit pas. Ceci est la nourriture spirituelle par laquelle nous vivons. Il faut vivre de la nourriture spirituelle. Et si nous ne prenons pas le temps, là ils ont pris plusieurs heures au moment le plus chaud de la journée. Parce que il y avait l'occasion. Combien de temps avez-vous consacré cette semaine au Seigneur, étudier la parole? Un vrai disciple passe du temps avec son maître, passe du temps à comprendre les vérités et les enseignements qu'il peut donner. Allons-nous suivre cet exemple? Alors, nous voyons ces vrais disciples, mais qui fait en sorte que nous retrouvons quelques pratiques qui nous semblent un peu peut-être bizarres aujourd'hui. On prend les serviettes et les mouchoirs de Paul et on les applique aux malades. Mais qu'est-ce que c'est cette pratique? Est-ce qu'on devrait faire ça aujourd'hui? Comprenez le contexte.
Qu'est-ce que Paul faisait comme métier? Fabriquer des tentes. Ce n'était pas des toiles de tentes comme nous avons aujourd'hui, très légères, qu'on peut mettre sur le dos et on part avec tout chargé dans le sac à dos et c'est bon. Moi j'ai une petite tente quand je fais la nuit et même tu l'as portée. Hein? C'est tout petit, n'est-ce pas? C'est pas très lourd. Après 4 heures de marche, oui c'est lourd, mais bon, c'est pas très lourd. Paul ne fabriquait pas de tente comme ça. C'était en cuir, en tissu, en lin, des choses lourdes. Et ça, et quand on travaillait, c'est un peu comme moi aujourd'hui, je suis trempé là. Hein, et il mettait un bandeau autour de la tête. L'idée de ces mots-là, c'est un bandeau. Et qu'est-ce que nous mettons quand on travaille avec le cuir? Qu'est-ce que quand on travaille dans une cuisine, tablier de travail, d'ouvrier. Donc, il prenait ses bandeaux et le tablier, et c'est pas Paul qui faisait ceci, mais c'était les autres qui voyaient, oh, il a fait ça. On apprend, et on verra. Et Dieu a fait en sorte que ces personnes soient guéries. Est-ce que nous voyons cette pratique comme quelque chose qu'on devrait faire aujourd'hui? Moi, je vais vous dire non. Ce n'est pas biblique du tout. Ce n'est pas Paul qui faisait ceci. C'est les gens dans la foi, dans leur mécompréhension des choses, qu'ils ont, malgré ce qu'ils auraient dû faire, Dieu a quand même intervenu à cause de leur foi. Est-ce que Dieu peut intervenir même si j'ai mal compris certaines choses et répondre à mes prières? Oui. Et c'est ce que moi je vois ici. Qu'est-ce qui sauve? Un objet? Non. Dieu. Dieu sauve et c'est Dieu qui guérit. Est-ce que nous croyons dans l'imposition des mains? Oui, gloire à Dieu. Est-ce que nous croyons dans l'onction d'huile? Oui. La Bible parle clairement sur ces pratiques-là qu'il faut le faire. Mais nulle part, sauf ici que après avoir travaillé le matin en fabriquant des tentes, Paul se pose, je vais aller à l'école de Tyrannus là, et les gens venaient, tchouk. Et aussi, qu'est-ce que nous voyons ici? Des miracles extraordinaires. Le mot ici, dans la langue originale, ça ne veut pas dire, oh c'est extraordinaire ça, oh c'est magnifique. Non, c'est le sens littéral que ce n'était pas normal. Ce n'était pas une pratique normale, mais malgré cela, exceptionnellement, Dieu a fait ceci. Est-ce que Dieu, l'exception, c'est que Dieu guérit? Non, Dieu guérit régulièrement. Mais il peut aussi décider de ne pas guérir. Est-ce que ça change en quoi que ce soit notre foi? Non. Dieu est celui qui guérit, et sinon, c'est celui qui nous accompagne à travers la vallée jusqu'à la fin. C'est lui qui nous sauve. Mes amis, soyons ceux qui sont assis au pied de notre maître pour apprendre de lui, comme ses disciples avec Paul pendant des années. Soyons pas ceux qui sont un peu mystiques. Le mysticisme, ça ne sert à rien. Tous ces éléments, non, parfois seul. Et Dieu fera. Alors, les amis, est-ce que vous êtes comme moi? Vous voyez les gens arriver dans votre vie, hein, forcément ici dans l'église, vous dites, qui c'est ça? Peut-être que ça va être un nouveau converti. Et Dieu se servira de vous pour les amener au Seigneur. Peut-être que ce sera des vrais disciples qui avaient rencontré le Seigneur. Et ensemble, vous pouvez cheminer dans votre croissance spirituelle. Mais aussi, nous allons rencontrer des faux et des religieux. Nous voyons deux bons et deux mauvais. Où sommes-nous? Dans quel camp? Parmi les bons ou parmi les mauvais? Moi, je veux être dans le bon camp. Comment avoir cela? La foi seule en Jésus-Christ. Amen.
avez-vous accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces passages qui nous encouragent. Seigneur, pour moi, ça m'a encouragé. Seigneur, je prie, j'espère que ça a encouragé les autres. Seigneur, nous allons être confrontés à pas mal de personnes tout au long de cette vie ici-bas. Aide-nous à persévérer jusqu'à la fin, fidèle à témoigner de toi, à tous ceux qui sont prêts à entendre. Seigneur, comme Paul a discouru et persuadé, aide-nous à avoir cela comme objectif aussi, avec douceur et respect et amour, et toujours prêt à défendre la raison pour laquelle nous croyons. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen.